C'est une histoire qui a débuté en 2014, puisqu'on est, on a eu cette possibilité avec Yannick de partir en formation à l'EPMN et de commencer à faire des liens avec Boehringer, bien sûr, et à qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que la médiation professionnelle soit un des outils majeurs finalement au dialogue social, puisqu'à l'époque nous étions tous les deux sur ce côté syndical. Tu te dis, on pourrait mettre en place un projet de médiation interne, et je vais proposer ça à la direction. Yannick aussi est pris là-dedans, il se dit c'est une super idée, et après il faut en discuter, est-ce que c'est possible, parce que c'est le coup, la branche syndicale est d'accord, mais est-ce que la direction est d'accord? Donc après c'est une discussion oui, qui se met en place. C'est plus branche syndicale ou pas branche syndicale, c'était pas vraiment la problématique. C'était une problématique de sensibilité personnelle, déjà, à se dire, au travers de la médiation, il y a quelque chose à faire. Dans une organisation telle que Boehringer, peut-être un véritable projet d'entreprise en faveur du dialogue social, mais comme je reprends ton expression, Jérôme, dialogue social au sens large, c'est-à-dire dialogue social avec tous les salariés, et non pas que instance représentative du personnel et direction, mais avec tout le monde. Donc c'est de là que ça a germé. Et chez Boehringer, on était dans une période très particulière, puisqu'on était en post-plan social, en post-PSE, un véritable traumatisme pour tout le monde. Il y avait un petit peu tout à reconstruire. Et donc là, on a pu évoquer ensemble à plusieurs reprises la médiation. Qu'est-ce qu'est la médiation? De votre côté, la direction, vous avez mis en place une journée de sensibilisation pour qu'on parle tous finalement de la même chose. Et grâce à l'EPMN, on est parti de ce constat que finalement, ce qui était au centre, c'était la relation humaine, c'était donc la qualité relationnelle, et ça faisait totalement écho à ce que l'on vivait, nous, en formation avec Yannick à l'EPMN. Sur le fond, l'idée nous a vraiment séduits. Donc au-delà du marketing et du fait de se dire la médiation semble être à la mode, il a fallu nous convaincre effectivement du bien fondé de la démarche. Et je dirais, comme le projet était porté notamment par Jérôme, dont on avait pu mesurer au cours des mois et des années précédentes vraiment une appétence pour la résolution des conflits, je pense qu'il a vraiment su trouver les mots et pu trouver les mots pour nous convaincre du bien fondé effectivement de la médiation. Le but vraiment de la médiation, c'est un outil de prévention pour favoriser la communication entre un manager et son collaborateur grâce à l'aide, effectivement, d'un médiateur qui va pouvoir éclairer et apporter, je dirais, un accompagnement extrêmement important pour parvenir à un objectif. Nous, là, on lance un pilote, donc on va voir un petit peu la manière dont ça se passe dans les premiers mois, dans les premières semaines. Après, je crois qu'il n'y a pas de science exacte par rapport à la médiation. Il va nous falloir un petit peu de recul aussi pour savoir quel est le modèle que vous allez adopter finalement. Absolument. Mais on a vraiment très bon espoir d'aboutir. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est que vous êtes porteur d'un projet. L'idée, c'est de faire en sorte que les salariés aient confiance dans cet instrument que vous mettez à disposition de tout le monde. C'est ça, c'est une culture d'entreprise aussi que vous êtes en train de faire évoluer. Ouais, ce point est très important. Je pense que la médiation, les qualités de médiation, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et elles ont commencé à être appliquées au sein des organisations depuis assez longtemps. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est de mettre en avant cette démarche-là, et je pense qu'il humanise un petit peu plus les organisations telles qu'elles sont aujourd'hui. Et ça, c'est très important de notre point de vue. Et en ça, il faut communiquer. Il faut communiquer, et on a intégré aussi cette démarche de médiation dans le cadre d'un plan de qualité de vie au travail qui est extrêmement important, dont une des composantes est effectivement le recours à la médiation. Donc le médiateur va pouvoir être sollicité par les salariés dans les cas de difficultés entre managers, avec leur manager éventuellement, entre collègues, avec la direction. Pour ce qui est par exemple de l'accueil, comment ils vont être informés de l'existence de ce dispositif? Donc là, il y a une communication qui a été préparée conjointement par les futurs médiateurs et par la direction des ressources humaines, donc qui va être adressée à l'ensemble des collaborateurs
à la fin du mois, donc pour que le process soit vraiment connu de tous et accessible à tous. Et après, je dirais régulièrement, quand on aura effectivement de nouveaux arrivés, ce sera un des documents qu'on leur proposera dans le dossier d'arrivée. Et bien évidemment, quand un collaborateur arrive, il y a toujours un entretien avec les ressources humaines le premier jour, et donc ce sera présenté, parce que je pense qu'il est toujours préférable d'avoir un support oral pour commenter le rationnel d'une décision qui a été prise ou d'un projet qui a été souhaité. Je dirais, moi, je suis d'autant plus heureux qu'on puisse proposer ça à Jérôme, qui était donc délégué syndical et représentant du personnel au sein de notre organisation. Et pour autant, on lui propose effectivement ce rôle de médiateur, donc ça prouve véritablement, alors qu'on a eu parfois, et durant le plan social, ça n'a pas été simple, des contacts assez challengeants, des discussions assez challengeantes, ça prouve que de part et d'autre, un chemin a été parcouru et on a trouvé in fine un équilibre qui nous permet de vouloir continuer à travailler ensemble. Je crois que c'était... Oui. Le socle d'une bonne confiance. Et donc, oui, tout à fait. Finalement, notre relation tous les deux, c'est un peu le symbole de la médiation chez Boehringer, finalement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jérôme, merci. J'ai le plaisir de vous remettre ce beau trophée et que vous pouvez tenir ensemble. Et ça me fait vraiment plaisir de voir la force avec laquelle tu as porté ce projet, dont je suis témoin, et j'ai beaucoup de plaisir aussi à t'accompagner, parce qu'en fait, c'est un accompagnement aussi de la part d'un médiateur externe. Je peux mettre la main dessous, hein, parce qu'on porte ensemble ce projet, et c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous, pour dire, mais on va réussir, parce qu'il faut absolument que cette nouvelle fonction au sein d'une entreprise réussissent, parce que c'est exemplaire. Je vous remercie beaucoup.